Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce mardi 18 août 2020. Le chef de l'État Alassane Ouattara s'est entretenu hier à sa résidence avec des délégations venues des régions du Sud, du Sud-Est et de l'Est. À propos de sa candidature, Alassane Ouattara est formel. Laissons le peuple décider. Barassa 1, le journal Fraternité Matin. Le 5 mars dernier, devant le congrès réuni à Yamoussoukro, Alassane Ouattara renonçait à briguer un autre mandat. Il entendait ainsi échapper à l'étau de son parti qui lui demandait de rempiler. Sauf qu'il n'a pas prévu le vilain tour du destin et face à ce cas de force majeure, il a dû se résoudre le 6 août 2020 à répondre à l'appel du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix et au-delà d'une majorité d'Ivoiriens. Les explications dans Fraternité Matin. Rediffusion sur les réseaux sociaux de ses propos passés, Tirbus Kofi écrivain, les violences actuelles que nous vivons sont les conséquences de cet absurde et dangereux appel de Daoukro. Tirbus Kofi décrypte dans l'intelligent d'Abidjan l'évolution de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main, toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Élection présidentielle de 2020, comment le régime prépare la tragédie électorale, titre le quotidien d'Abidjan. Vers le chemin de 2010, tout sur le piège du RHDP qu'il faut éviter et pourquoi le dialogue s'impose, la réponse à retrouver dans le quotidien d'Abidjan. Titrologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.